pense à tes factures, il pense à régulariser tes papiers. Mais Dieu voit que mais elle est où, il est où. Parce que Dieu voit nos cœurs. Amen. Dieu ne voit pas comme ça, mais Dieu voit à l'intérieur. Amen. Amen. Si nous pouvons acclamer pour le roi des rois, à notre roi. Ouais. Quand lui se met debout, tout le monde bouge. Amen. Bien que nous ne voyons pas, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. Nous savons qu'il est réel, il est, il existe. Amen. Ouais. Quand il y a deux ou trois se rassemblent en son nom, il est au milieu et des. Cette parole-là, elle doit s'accomplir. Amen. 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 Nous les chrétiens, nous sommes, différents et différents des autres. Amen. Mais je remercie, je bénis beaucoup le Seigneur. Moi, je ne connais pas mon frère là. Je l'ai entendu. On m'a dit seulement, mets ça dans la prière afin qu'il vienne. On m'a dit, bon, le Seigneur va pouvoir. Alors, quand je l'ai vu, il m'a dit, ah, gloire à Dieu, il est là. Amen. Amen. Dieu entend. Dieu entend. Mais ce que j'ai remarqué, peuple de Dieu, Amen. Dieu ne parle pas en vain. Amen. Ça, c'est la deuxième fois. Et Dieu voit toujours une personne étrangère venir nous rappeler cette affaire. Amen. Premièrement, un, venu de l'Angleterre. Maintenant, deuxième fois, venu de Mayotte. Ils ne se sont pas rencontrés avec celui de l'Angleterre. Ils ne se connaissent même pas avec celui de l'Angleterre. Dieu fait celui dans sa bouche. Il faut que vous évangélisez. Celui de l'Angleterre, il a dit quoi? Évangéliser. Ils ne se connaissent pas. Vous voyez comment c'est Dieu? Donc quand Dieu parle de quelque chose, il va le confirmer aussi d'une autre façon. Ils ne se connaissent pas. Le plus grand péché aussi quand on n'évangélise pas. Amen. C'est un péché. Le péché, c'est pas que tu vois, ou bien tu insultes. Non. Alors, refuser seulement d'évangéliser aussi les âmes, c'est un péché grave. Pas Dieu voit que toi, tu es déjà sauvé. Mais tu fais quoi pour les autres? Quand tu n'arrives pas à évangéliser, même à parler, sache qu'il y a quelque chose en toi qui ne va pas. La question t'empêche d'approcher les autres. Ouais. Tu peux dire que j'ai reçu Jésus-Christ. Quand tu es Jésus, tu dois être tout terre. Mais quand tu arrives, tu n'as pas affronté les autres là, sache qu'il y a quelque chose qui t'empêche de les approcher. Alléluia. Amen. Voilà un peu. Je crois que vous êtes des bons élèves, des universitaires, des docteurs en droit, des philosophes, des théologiens. Le monde a quoi? Le monde a quoi? Qui l'utilise? Bon, les gens. Les gens. Les gens. Comme matériel. Bon, je veux dire, comme matériel. L'argent. L'argent. Quoi? Comme matériel. Le monde utilise l'eau. Allez-y. Je vais voir vraiment si vous êtes vraiment des bons docteurs en droit, théologiens. Je mets mon frère à l'écart. Parce que lui, Dieu peut lui donner pas parler ça. Mais vous. Le monde est dirigé spirituellement. Même, je ne sais pas si quelqu'un aura même un service. Comme matériel. La Bible. La pouvoir. Allez-y. Mais je vous ai donné la puce déjà. Matériel. Les immeubles, les voitures ou. Les voitures. Ah. D'accord. Bon, voiture. Les avions, ils sont. Gloire à Dieu, ma sœur. Voilà. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui t'a inspiré. Voix. As-tu. Le nôtre encore a dit quoi? Avion. Avion. Le transport, alors. Hein? Le transport, les moyens de locomotion. C'est déjà bon, voiture, avion, c'est déjà moyen de transport. Okay. Accord, accord, accord. TGV. Accord. Ouais. Ça, c'est déjà moyen de transport. Ça, c'est moyen de transport. Accord, accord. Les immeubles, les. Bateaux. Ça, c'est moyen de transport. Accord.
L'argent? Encore. Les bijoux? Encore. Les chaussures? Encore. Des habits? Encore. La musique? Encore. Les cheveux? Les cheveux? Encore. Le travail? Encore. Le montre? L'heure? Encore. La télé? Internet, ordinateur, les médias. Comme ça. Ma sœur, t'habites où toi? En Guadeloupe. Il a dit internet, il a dit en quoi? Ordinateur. Ordinateur. Voilà. Téléphone. Amen. Téléphone. Voilà. Il reste deux choses encore. Il y en a beaucoup, mais pour s'éliminer là. Encore. Journal, la presse, la politique. Journal. Bah, journal, ouais. Il reste encore deux. Je vais m'arrêter là pour vous aider. Ouais. Science. Scanner. Imprimante. Microphone. Amen. Amen. Alléluia. Il y en a encore beaucoup. Tout cela, voyez que c'est... Guy, tu en veux à ma place, mais attends. Alléluia. Tout cela, le monde en a besoin. Tout ça. Scanner, microscope, échographie, tout ça là, le monde en a besoin. Mais nous, la plus grande des choses de tout ça, qui avale tout cela? Amen. Voilà le véritable microscope. Amen. Véritable scanner. Véritable échographie. Tout ça là. Même la météorologie, c'est ça. Là-dedans, ça avale tout ça. Oui, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup là. Mais à lui seul, il avale tout. Il y a l'échographie là-dedans. Il y a le scanner là-dedans. Il y a la voiture là-dedans. Il y a les journaux là-dedans. Il y a les avions là-dedans. Il y a la musique là-dedans. Tout, il y en a là. Oui, à lui seul. Donc, c'est incomparable à tout ce qu'il y a dans le monde. C'est pourquoi il faut s'approcher à lui. Amen. Donc la parole, c'est lui-même Dieu. Amen. Les gens cherchent, tu cherches Dieu où? Mais dans ton cercle, tu te promènes avec quoi? Quand tu crois quoi? J'ai la Bible? Oui, j'ai la Bible. Mais Dieu est avec toi. Oh, mais comment? On dit, ah bon, est-ce que tu lis la Bible? Oh, mais oui, je lis la Bible. Je pose la question. Qu'est-ce qu'il écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1? Oh, mais... Non, je ne sais pas. Alors, t'as Dieu, mais tu ne sais pas. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était et Dieu. Mais tous les jours, nous sommes avec un Dieu. Vous cherchez Dieu où? Amen. Et dit, mon peuple est péri par manque de la bonne essence. Alléluia. Amen. Voilà un peu ce que Dieu m'a donné. J'avais peur, ça commençait à me boucher, mais il dit, mais depuis une semaine, parce que Dieu nous aime. Nous sommes des personnes différentes. Quand tu es à Jésus, ta façon de voir les choses, ta façon de marcher, de te comporter, tu ne peux pas te comporter comme ceux qui sont encore dans le monde. Je ne peux plus me comporter comme ceux qui sont dans le monde. Pourquoi? J'ai un autre cachet. Tu as une particularité autre. Il dit, tu es un sacerdoce royal. Un peuple acquis, une nation au sein. Donc tu es différent. Mais nous ne connaissons pas la valeur que Dieu nous a donnée. C'est que Dieu nous considère. Amen. Tu es différent. Mais de tout le monde, tu arrives à un endroit là, les gens commencent à te fuir. Il est venu faire quoi?
Ne t'étonne pas. Pourquoi? Ils voient quelque chose en toi que eux, ils n'en ont pas. Alléluia. Amen. C'est ainsi. Voilà, ça nous conduit dans ce message que nous allons partager maintenant. Mais il faut supporter. Alléluia. Amen. T'as Dieu, mais tu ne sais pas. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était et Dieu. Mais tous les jours, nous sommes avec et Dieu. Vous cherchez Dieu où? Amen. Et mon peuple est péri par manque de la bonne essence. Alléluia. Amen. Voilà un peu ce que Dieu m'a donné. J'avais peur, ça a commencé à me boucher. Mais depuis une semaine, parce que Dieu nous aime, nous sommes des personnes différentes. Quand tu es à Jésus, ta façon de voir les choses, ta façon de marcher, de te comporter, tu ne peux pas te comporter comme ceux qui sont encore dans le monde. Je ne peux plus me comporter comme ceux qui sont dans le monde. Pourquoi? J'ai un autre cachet. Tu as une particularité autre. Il dit, tu es un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. Donc tu es différent. Mais nous ne connaissons pas la valeur que Dieu nous a donnée, ce que Dieu nous considère. Amen. Tu es différent. Mais de tout le monde, tu arrives à un endroit là, les gens commencent à te fuir. Il est venu faire quoi? Ne t'étonne pas. Pourquoi? Ils voient quelque chose en toi qu'eux, ils n'en ont pas. Alléluia. Amen. C'est ainsi. Voilà, ça nous conduit dans ce message que nous allons partager maintenant. Mais il faut supporter. Alléluia. Amen. Il faut supporter la parole de Dieu. Dans les choses du monde, on supportait n'importe quoi. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Hein? Je crois le mécanicien Guy, quand il allait chercher Anaïs, même il y avait la pluie. Si Anaïs ne descend pas, Guy ne va pas partir. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il faut qu'Anaïs sorte. Vous voyez comment il supportait? Il était tout mouillé. Il vient de la maison. Mais Guy, tu es mouillé comment? Oh non. Alléluia. Pourquoi? Il a supporté, il faut qu'Anaïs sorte. Il doit voir à Anaïs. Vous voyez? Il a supporté. Et il a reçu. Aujourd'hui, il avait qui? Anaïs. Il a su. Il a patient. Il a payé le prix. Ouais, c'est la bonne foi. Il a payé le prix. Le sort de Dieu, nous devons aussi payer le prix. Ce n'est pas méchamment. Ce n'est pas méchamment. Si lui-même Jésus a payé le prix, et toi et moi, c'est son exemple qu'il a montré. Je suis passé par là. Lui qui était le bois vert, s'il a été persécuté, et toi et moi qui sommes de bois sec, encore plus fort derrière. C'est pourquoi il nous parle dans la parole. J'ai entendu quelqu'un qui a dit ici là, il ne faut pas seulement écouter la parole de Dieu, mais il faut mettre cette parole en pratique. C'est ça. C'est ça la base. Mais nous tous, papa, quand je vois ça, ça c'est trop dur. Je dévie. Quand tu dévies, tu dévies Dieu. Amen. Tu peux raconter. Parce qu'il dit, c'est ça à la parole. Mais quand nous lisons la Bible, des fois, toi, tu lis la Bible, tu vois comme ça, une parole qui te touche. Dites-moi, tu changes de fait. Pourquoi Dieu te parle? Tu changes la part. Même nous, les hommes de Dieu, il y a des fois, on fuit. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, papa. Tu fuis. Parce que Dieu te parle. Mais papa, c'est dur, c'est cruel. Oui, un médecin, quand il va le voir, il doit chercher, diagnostiquer, jusqu'à ce que vraiment qu'il ait trouvé là où ça te fait mal. Ce n'est pas ça. Quand tu es blessé, le médecin ne va pas dire que tu es médecin comme ça. Non, il va bien regarder s'il y a des vers qui sont rentrés à l'intérieur. Il va faire quoi? On fait quoi, pardon, le mot quoi qu'ils font là? Voilà, voilà. Sinon, il ouvre bien, bien pour faire entrer ce type là. Pour commencer à tirer les verres. Puis il va mettre des médicaments et puis faire une balle. Mais si Dieu te met ce mal, il met le médicament, il fait la balle. Demain, on remet la balle comme ça, on voit.
La mer fait quoi? Ronflait. Il y a des infections. L'infection. Pourquoi? Le médecin n'a pas bien vérifié. Il a mis seulement le produit dessus. Mais or, à l'intérieur, il y avait des fers qui sont rentrés. Et c'est pour ça que le vrai diagnostiqueur, c'est celui-là qui est en train. Alléluia. Ils sondent même le cœur et les reins. On ne peut pas le fuir. Tu ne peux pas le cacher. Tu ne peux pas se cacher devant lui. Même nous qui sommes là devant, tu ne peux pas se cacher devant ce Dieu-là. Amen. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, je vais aller moi-même. Le livre de Romains, ce n'est pas, c'est dans le Nouveau Testament. La Bible dit, à partir du verset 1, on va arriver jusqu'au verset 8 tout d'abord. La Bible dit, il n'y a donc, je vais commencer au verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Ça y est tout d'abord. Donc la Bible est claire. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il avance. Mais ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Mais diacons, mais ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Amen. Tu es dans la salle, tu marches comment? Selon la chair ou selon l'esprit? Donc, il y a deux phases. La chair et l'esprit. Voilà. C'est ça, il faut savoir dissocier. Nous sommes dans ce corps. Mais il faut que tu discernes ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Pour cela, il n'y aura pas de condamnation. Il n'y aura pas de condamnation. Mais bien que je suis en Jésus-Christ, mais si je mange encore selon les désirs de la chair, la parole n'aura pas d'effet. Pourquoi? La chair fait son travail encore. L'autre là, il va s'approcher. Parce qu'il te voit. Il me voit. Pourquoi? Je mange encore selon la chair. Donc dans la chair, il y a beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Qui peut te séparer avec Dieu. Donc, si tu marches selon l'esprit, il n'y aura pas de condamnation. Mais si tu marches selon la chair, il y aura la condamnation. L'autre va monter avec sa convocation devant Dieu. Parce qu'il voit que tu es dans la chair encore. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Amen. Amen. Au verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Regardez bien. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à corps du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a envoyé son propre fils. Et Dieu a condamné le péché dans la chair. Tu veux dire que marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc quelqu'un est descendu. Donc dans la chair humaine. Donc chose impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus personne pour récupérer le pouvoir que l'homme a perdu. Donc nous avons perdu le pouvoir. Et Dieu a regardé, mais qui pouvait récupérer ce pouvoir là? Parce que maintenant, le diable, je ne dis pas qu'il est très puissant, mais il est puissant. Il n'est pas très puissant, mais il est puissant. Mais il fallait mettre quelqu'un mourir, payer les prix. Je commence à Adam. Adam a fait le désordre. Ce n'est pas vrai? Oui. Abraham, notre patron, a fait le désordre. Je ne dis pas ça méchamment. Il a fait le désordre. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, il a écouté la voix de sa femme. Qui peut me le dire? C'est quand il a fait sa femme. La femme. Il a pris l'esclave de sa femme. Voilà.
C'est là où il a commis la faute. Pas méchamment. Mais il a écouté la voix de sa femme. Mais avant qu'il écoute la voix de sa femme, Dieu a déjà dit, tu auras ta portion. Ce qui se passe là-devant. Il faut beaucoup prier pour les gens qui passent là-devant, qui annoncent la parole de Dieu, même qui modèrent. Il faut beaucoup prier pour eux. C'est ça là. Ce sont deux éléments très dangereux dans la chair. Ça, c'est très, très, très dangereux. Très dangereux. Ici, là, il y a la mort. C'est là. C'est très, très dangereux. Dans ça, tu peux attraper la sorcellerie. Là-dedans. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous avez dit, mais comment ça se passe? Ben ouais! Je m'en vais à une femme qui ne m'appartient pas. Tu t'en vas avec un homme qui ne t'appartient pas. Est-ce que tu connais son identité spirituelle? Tu connais l'état de leur famille? Parce que c'est dans le sang. Parce que c'est dans le sang. Tu ne connais pas. Mais tu es chrétien. Oh voilà. Bon. Dieu connaît. Dieu connaît quoi? Alléluia. Amen. Dieu connaît et voit. C'est deux choses très majeures. Ça, les publicités, c'est pour les gens qui ne sont pas encore mariés, qui sont encore des célibataires, qui sont bons, chrétiens, chrétiennes, parfois qui vivent aussi ensemble, qui sont mariés. Voilà. Là, ils commettent ça. Eux là. Vous voyez la différence? Mais à ceux qui sont mariés, comme moi je suis marié, si je m'en vais dehors avec une autre femme, donc je tombe dans l'adultère. Donc c'est différent, l'adultère, elle est venue exciter. Mais c'est très, très dangereux dans la chair. Et ce sont des choses à fouiller. Ça même casser même ta vie. Ça même casser même ton travail. Ça peut même casser tes projets à toi. Ces deux-là. Le diable, il sait, comme ces gens-là aiment ça, ils opèrent là. Ce sont ces deux pièges, dans tous les trucs de la chair, ces deux pièges-là mortels. Tu t'en vas avec un homme marié, une femme mariée. La Bible dit dans Proverbes 26, verset 2, qui peut le lire? Vite, vite là, personne ne peut le voir. Proverbes 26, verset 2. Amen. De même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même maudire sans raison n'a pas d'effet. Voilà. Alléluia. Dans notre version aussi. Dans notre version. Oui, c'est bon. Oh. 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi une malédiction sans raison n'aboutit à rien. Ça répète encore. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi une malédiction sans raison n'aboutit à rien. Ah. Comme l'oiseau s'envole, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alléluia. Amen. Mais toi, tu pars avec une femme mariée, avec un homme marié. Si, par exemple, la femme là-bas d'autrui, cette femme là-bas, dont toi tu sors avec son mari, même elle n'est pas sorcière, mais si elle sait que c'est toi qui tournes son foyer et tu sors avec son mari, quand elle va seulement commencer à prononcer les paroles, tu en auras.
Pourquoi? La faute est réelle. Tu sors avec son mari. Mais ouais. Mais elle n'est pas féticheuse. Elle n'est pas sorcière. Elle n'est pas magicienne. Mais quand tu vas prendre la parole, ça doit t'atteindre parce qu'il y a une cause. La cause, tu sors avec son mari. Vice-versa, l'homme. Tu vas avec la femme d'autrui, vraiment, vous allez dans un tel, vous faites tout. Et le mari est en connaissance de cela. Quand il va parler, il y aura un problème. Pourquoi? Il y a une cause. Quoi? L'adultère. Et le diable fera par là, il y a parfois des morts subites, même parmi les chrétiens et les chrétiennes, à cause des décès de la chair. À cause de la chair. Donc toi et moi, nous devons vivre selon la chair. Je ne peux pas, ne dis pas, je ne peux pas. Et moi, je n'ai pas laissé les chrétiens qui prient. Oh Seigneur, comprends, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Non. Parce que toi, tu veux. Tu veux aller tomber là-bas. Tes yeux voient. Et tu dors là. Dieu voit que tu as la volonté de dire oui et de dire non. De faire quelque chose qui est charnel et tu as le droit de choisir. Mais toi, tu choisis le mal. Quelle est la force de Dieu? Alléluia. Amen. Et beaucoup s'attardent de la main de Dieu. Il y a encore beaucoup d'esclaves de la chair. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais non pas ceux qui marchent selon la chair. Quand tu marches selon la chair, il y aura condamnation. Pourquoi? Il y a une force, il y a une cause maintenant qui est là. L'autre, il s'en va. Je dis encore, il présente sa convocation devant Dieu. Dieu est en train de dire, oui, vraiment, il vient, bon. Ce n'est pas que je suis content, mais la cause qui me présente, c'est rien. Vous voyez ces enfants-là? Les petits enfants-là. L'autre là-bas, il ne peut pas les atteindre s'il n'y a pas une faute, une cause. Je dis, moi vers Dieu, je dis, bon, je vais toucher tel enfant. Dieu dit, mais pourquoi? Il dit, mais regarde, sa mère et son père, ils ne s'entendent pas. Son papa triche dehors. Sa mère triche dehors. Moi, je fais mon travail. Alléluia. Amen. Mais un jour, tu rentres dans la salle comme ça, tu entends une parole qui sort bas. Si tu es dans cet état-là, sache-le que Dieu t'a averti. Donc, il y a une convocation au tribunal contre toi. Donc, détourne-toi. Parce que Dieu ne peut pas permettre directement qu'il puisse agresser sur l'enfant. Il va tout d'abord avertir. Il doit avertir. Mais quand il voit que les personnes résistent, ce n'est pas que Dieu est impuissant. Il lui donnera la permission. J'ai parlé, ses parents ne veulent pas écouter. Dieu fait sa main comme ça, le boulevard. Lui, maintenant, il passe. Oh, mais comment? Ses parents prient, mais à quoi? Mais comment c'est arrivé comme ça? Oh, mais le pasteur de cette église n'a pas d'onction. Vraiment, il n'est rien, il dort. Mais sans savoir. Qu'est-ce que les parents vivent? Qu'est-ce que ces parents font? Mais la faute revient toujours au pasteur. Nous accumulons, gloire à Dieu. Alléluia. Ben ouais. Mais Dieu avertit tout d'abord. Crucifions notre chair. Il faut le crier. Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le jour de l'enlèvement, beaucoup de chrétiens et chrétiennes vont rester sur la terre. À cause de ça. Fuis le péché, il faut le fuir. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, je déteste le péché, aide-moi à fuir cela. Que j'obéisse à tes lois, à tes préceptes, tes commandements. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour voir ce que tu veux. Comment que je marche devant en toi. Quand Dieu voit ta sincérité, il va commencer à te faciliter d'autres choses. Tu n'auras même pas forcé. Mais il marche dans ma crainte. Tu n'auras pas forcé. Pas il voit que le chemin est bien quoi? Non, pas ouvert. Hein? Moi, bien dégagé. Quand le robinet est bouché, dès le lavabo est bouché, vous mettez quoi? Ah! Vous mettez du... Pour que ça fasse quoi?
pour que ça puisse déboucher, parce que le canal là est bouché. Il faut qu'il y ait un produit pour que ça débouche. Et le véritable déboucheur, c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est d'aller de déboucher ce qui est en toi, pas c'est des obstacles en toi. Là. Il faut aimer la parole telle qu'elle est. Amen. Son vol, ainsi une malédiction sans raison n'aboutit à rien. Ça répète encore. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi une malédiction sans raison n'aboutit à rien. Ah. Comme l'oiseau s'envole, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alléluia. Mais toi, tu parles avec une femme mariée, avec un homme marié. Si, par exemple, la femme là-bas d'autrui, cette femme là-bas, dont toi tu sors avec son mari, même elle n'est pas sorcière, mais si elle sait que c'est toi qui trouves son foyer et tu sors avec son mari, quand elle va seulement commencer à prononcer les paroles, tu en auras. Pourquoi? La faute est réel. Tu sors avec son mari. Mais ouais. Mais elle n'est pas féticheuse. Elle n'est pas sorcière. Elle n'est pas magicienne. Mais quand tu vas prendre la parole, ça doit t'atteindre parce qu'il y a une cause. La cause, tu sors avec son mari. Vice versa, l'homme. Tu vas avec la femme d'autrui, vraiment, vous allez dans un tel, vous faites tout. Et le mari est en connaissance de cela. Quand tu vas parler, il y aura un problème. Pourquoi? Il y a une cause. Quoi? L'adultère. Et le diable fera par là, il y a parfois des morts subites, même parmi les chrétiens et les chrétiennes, à cause des désirs de la chair. À cause de la chair. Donc toi et moi, nous devons vivre selon la chair. Je ne peux pas. Ne dis pas, je ne peux pas. Et moi, je n'ai pas laissé les chrétiens qui prient. Oh Seigneur, comprends. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Non. Parce que toi, tu veux. Tu veux aller tomber là-bas. Tes yeux voient. Et tu t'en vas. Dieu voit que tu as la volonté de dire oui et de dire non. De faire quelque chose qui est charnel et tu as le droit de choisir. Mais toi, tu choisis le mal. Quelle est la force de Dieu? Alléluia. Amen. Et beaucoup s'attendent de la main de et de Dieu. Il y a encore beaucoup d'esclaves de la chair. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais non pas ceux qui marchent selon la chair. Quand tu marches selon la chair, il y aura condamnation. Pourquoi? Il y a une force, il y a une cause maintenant qui est là. L'autre, il s'en va. J'ai dit encore, il présente sa convocation devant Dieu. Dieu est en train de dire, oui, vraiment, il vient, bon. Ce n'est pas que je suis content, mais la cause qui me présente, c'est rien. Vous voyez ces enfants-là? Les petits enfants-là. L'autre là-bas, il ne peut pas les atteindre s'il n'y a pas une faute, une cause. Je dis, moi vers Dieu, je dis, bon, je vais toucher tel enfant. Dieu dit, mais pourquoi? Je dis, mais regarde, sa mère et son père, ils ne s'entendent pas. Son papa triche dehors. Sa mère triche dehors. Moi, je fais mon travail. Alléluia. Amen. Mais un jour, tu rentres dans ça comme ça, tu entends une parole qui sort bas. Si tu es dans cet état-là, sache-le que Dieu t'a averti. Donc, il y a une convocation au tribunal contre toi. Donc, détourne-toi. Parce que Dieu ne peut pas permettre directement qu'il puisse agresser sur l'enfant. Il va tout d'abord avertir. Il doit avertir. Mais quand il voit que les personnes résistent, ce n'est pas que Dieu est impuissant. Il lui donnera la permission. J'ai parlé, ses parents ne veulent pas écouter. Dieu fait sa main comme ça, le boulevard. Lui, maintenant, il passe. Oh, mais comment? Ses parents prient, mais à quoi? Mais comment c'est arrivé comme ça? Oh, mais le pasteur de cette église n'a pas d'onction. Vraiment, il n'est rien, il dort. Mais sans savoir. Qu'est-ce que les parents vivent? Qu'est-ce que ces parents font? Mais la faute revient toujours au pasteur. Nous accumulons, gloire à Dieu. Alléluia. Ah ouais. Mais Dieu avertit tout d'abord. Crucifions notre chair. Il faut le crucifier. Paul le dit,
Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le jour de l'enlèvement, beaucoup de chrétiens et chrétiennes vont rester sur la terre à cause de ça. À cause de ça. Fuis le péché, il faut le fuir. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, je déteste le péché, aide-moi à fuir cela. Que j'obéisse à tes lois, à tes préceptes, tes commandements. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour voir ce que tu veux. Comment que je marche devant en toi. Quand Dieu voit ta sincérité, il va commencer à te faciliter d'autres choses. Tu n'auras même pas forcé. Mais il dit, ah, il marche dans ma crainte. Tu n'auras pas forcé. Enfin, il voit que le chemin est bien. Bien quoi? Non, pas ouvert. Hein? Moi, tu dégagé. Bien dégagé. Quand le robinet est bouché, dès le lavabo est bouché, vous mettez quoi? Ah, vous mettez du pour que ça fasse quoi? Pour que ça puisse déboucher parce que le canal là est bouché. Il faut qu'il y ait un produit pour que ça débouche. Et le véritable déboucheur, c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est d'aller déboucher ce qui est en toi, pas c'est des obstacles à toi là. Il faut aimer la parole telle qu'elle est. Alors, est-ce que c'est mon désir à plaire à des hommes pour Dieu? Si je vous plaisais, je ne serais pas certain. Mieux vaut que vous me rejetez. Mais pas que Dieu me rejette. Amen. Je vous le dis, je suis sincère. J'allais fuir ce message. Il m'a dit, ah, il voit que ça me bouillonne. Et mon cœur va s'aller. Il faut que je parle. Alléluia. Je ne veux pas répondre avec Dieu. Il va me dire, ah, bon, moi, j'ai dit ça. Et toi, tu as regardé les hommes parce qu'ils donnent des dîmes aux offrandes. Bon, maintenant, je vais fermer le robinet. Si Dieu ferme le robinet, vous pouvez venir à 1000. On va faire l'offrande comme ça. 15 euros. Dieu fait fermer les portes comme ça. Quand tu cherches à plaire à des hommes, Dieu est Dieu. Dieu peut serrer les portes. Dieu ferme tout. Pourquoi? Tu cherches à plaire à des hommes. Et ce sont des messages très rares. Ce n'est pas que je dis que je suis parfait. Ce sont des messages très rares dans les assemblées. Le message de sanctification. Parler du péché. C'est très rare dans les assemblées. Nous les hommes de Dieu, parce que nous avons peur pour voir que les gens partent. Alléluia. Amen. Dieu sait comment faire les choses. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses. Les mauvaises œuvres, elles sont là à chair. Alléluia. Amen. Mais toi et moi, demande à Dieu. Invoque le Saint-Esprit. Rappelle Dieu dans ses promesses. Ce qu'il a dit, Seigneur, tu m'as établi sur les nations et les royaumes. Ce verset-là, nous lisons ça comme un journal seulement. Il dit, je t'ai établi sur les nations de l'Europe afin que tu arraches, que tu abattes, tu ruines et que tu détruises et que tu plantes. Alors, comment tu peux pas fuir le péché? Non pas que le péché domine sur mais il faut que toi tu domines sur l'air, le péché, parce que Dieu t'a donné l'autorité. Mais on en fait quoi avec cette autorité? Le diable s'en moque. Quand le choriste va chanter ici, il est vivant, il est vivant. Le diable voit, oh, hier, yeah. Elle était dans une boîte de nuit, elle chante, elle est vivante. Il est vivant où? Il s'en moque. Il s'en moque. Pour demain, deux mois après la Cora se disloque. Beaucoup de Cora sont disloqués à cause de l'impudicité et l'adultère. C'est la chair. Amen. Ils ont bien commencé. Ils ont bien commencé. Nous avons eu une courroie. MSC. Une courroie, je vous dis. Le pasteur, mon pasteur, il n'a même pas le droit de prêcher encore. Il se met debout comme ça. Il commence à chanter. Vous devez arranger les chaises encore une deuxième fois. Les démons, riaient les gens qui vomissaient pendant que la chorale chantait seulement, jouait. Ah non. Ah non, 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 non. Pourquoi? Les démons, c'était un sanctificat, elles sont la crainte de Dieu. Mais quand la gloire est montée, non, il y a un exemple. Oh. Quand ça commence comme ça, c'est bien. Ah, quand j'ai commencé à voir ça, parce que c'était moi comme
agent de. Comment dire? Non, pas c'est vigile. Pas vigile. Vigile de Coran. Agent de discipline. Je ne peux pas imaginer ma mère comme ça. Alors, je ne sais pas comment. Enfin, c'est une grâce que Dieu faisait. Et je vois des choses. Un jour. Hébreux chapitre 10, verset 26, jusqu'à 31. Anna, ce que nous dit. 10, verset 26 à 31. Hébreux. Regardez bien, regardez bien le texte là. À partir du verset 26. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement, l'ardeur du feu qui va dévorer le rebelle. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou trois témoins. Combien pire ne le pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura piétiné le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été consacré, qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit: c'est moi qui fais justice, c'est moi qui paierai le retour, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber aux mains du Dieu vivant. Alléluia! Amen! Amen. Amen. Je vais lire un peu le verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et le verset 26 qui dit: car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Alléluia. Amen. Dieu est clair, il dit: car si nous péchons volontairement, donc c'est comme si je crucifie encore Jésus une deuxième fois sur la croix. Qui peut l'accepter? Lorsque je vais donner ce même exemple-là, d'un seringue. L'infirmier vient là-bas pour mettre seulement le seringue-là. On pleure parfois déjà. Ce n'est pas vrai? Oui. Pendant qu'il tient seulement, il vient seulement comme ça là. Il ne t'a pas retouché. Le temps qu'il vient de voir papa, les gens qui fouillent, il faut qu'on l'attrape pour qu'on se mette le. Serein. Et lui qui a supporté l'ignominie là, sur la croix, on a coué, le sang qui coulait, qui chantait comme ça, il criait. Voilà. C'est ça. Là, Dieu peut nous voir que le danger est du péché. Donc, il faut le fuir. Il ne faut pas le carrer, fesser. C'est un danger mortel. Si Dieu peut te faire sentir l'odeur du péché, hein, le gaz carbonique, c'est mieux. Le gaz carbonique, c'est mieux. L'autre produit là, chimique là, qui est mortel là aussi là, mais le soufre. Mieux que tu sentes le soufre, c'est l'odeur du péché. Si Dieu te fait sentir cela, tu peux craquer, tu peux mourir. L'odeur du péché. Je vais dire que si vous péchez volontairement, c'est très dangereux. Ça peut arriver. Nous sommes des hommes sur la terre. Alléluia. Ce n'est pas une condamnation. Nous sommes sur la terre. Tu peux pécher. Ça peut arriver. Mais qui n'est pas provoqué? Qui n'est pas provoqué? Tu as vu que tes affaires tombaient 100 euros. Tu as vu que c'était affaires tombaient 100 euros. Vraiment les 100 euros. Tes affaires, tu as fait tomber ça. Mais toi, tu vois les 100 euros. Je ne sais pas. Il ne va pas voir. Tiens, c'est toi pour bouffer.
Alléluia. T'es déjà pas parti à la maison. Ah, mais j'ai fait tomber ça. Ah, vraiment là où dans la salle, mais je crois que quelqu'un a vu, il ne voulait pas me donner. Seulement les murmures de Thésia vont te causer du tort. Parce que tu as vu que c'est Thésia qui a fait tomber 100 euros. Tu l'as vu. Et toi, tu as pu te partir avec. Pendant qu'il va pleurer à la maison, tu en auras. Dieu va répondre. Pas tu sais que voler, ce n'est pas bien. Il faut voir lire la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit pour le vol? Parmi les chrétiens et les chrétiens, il y a les voleurs et les voleuses. Je ne vous assure pas. Mais il y en a. Il y en a. Qui volent même à Château Rouge, qui volent, même dans les boucheries, qui volent. Tu amènes ça à la maison, les gens vont manger quoi? La malédiction. Oui, on se dit combien de chrétiens, des maladies graves, mais ça se dit comment? Mais tu as oublié, tu as pris le carton de couches de poulet à Château Rouge, tu es parti avec. Et tu as préparé la maison. Est-ce que ces gens-là, quand ils vendent leurs trucs là pour moi, très tôt le matin, ils invoquent qui? Pour vendre leurs marchandises. Et toi, tu as pris le carton de cuisse pendant qu'ils n'ont pas vu, tu es parti avec la maison. Mais vous mangez la malédiction. Ouais. Le désir de la chair. Même voler, c'est le désir de la chair. Ouais. Le désir de la chair. Regardez bien dans la Bible. Il dit à Ézéchiel, tu vois quoi? Il dit, je vois un rouleau qui vole. Dieu dit, c'est la malédiction qui rentre dans la maison de celui qui vole. Et celui qui joue forcément à mon nom. Il y en a des voleurs. Les voleuses parmi les chrétiens, il y en a grave, jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent à faire des faux chèques. Ils ne vont pas savoir. Mais Dieu voit. Après, Dieu n'agit pas. Quelle est la faute de Dieu? Ne marchons plus selon les désirs de la chair. En tant qu'enfant de Dieu. Demande à Dieu. Je demande à Dieu. Alléluia. Amen. Ouais. Débarrasse-toi de ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Même moi. Oui. Il y a des choses qui m'ont dit, non, arrête ça. Mais j'ai souffert. Mais comme j'ai entendu, il faut le faire. Mieux vaut que tu restes bien vie que tu restes avec ton fardeau. Alléluia. Amen. Mais Dieu t'aime tel que tu es. Comme tu es. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à abandonner? Qu'est-ce que tu n'arrives à te séparer de cela? Mais dans ton cœur, tu souffres pour ça. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. C'est que tu ne peux pas. Mais si tu le présentes à Dieu, Dieu dit, ah, il m'a présenté ce qu'il aimait beaucoup, mais qu'il ne m'honore pas. Dieu mettra ça à sa main. Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Peut-être quoi? La bouche perverse, comme tu es. Quand tu réponds à quelqu'un, même à ton travail, à toi, tu l'as mise. Attends, Anna va venir. Elle va te répondre. Il va bien te répondre. Parle bien. Anna qui vient. Anna vient. Anna va ouvrir la bouche. Oh là là! La personne partait. Pourquoi? Elle a une bouche. Quand elle te répond, donc tu es morte. Même la bouche perverse, c'est un péché. Nous répondons comment? Nous répondons comment, nous les chrétiens de Dieu? Nous répondons comment? Parmi, quand nous parlons à l'extérieur, nous répondons comment? Dites que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce et assaisonnées des sels. Dans une source, ça ne peut pas sortir, il y a du feu avec de l'huile. Non. Amen. Amen. Dieu t'aime tel qu'est. Bien qu'on a tout le temps, mais Dieu prévient que je m'arrête là. La chair. Il n'y a pas de condamnation. Mais marchons selon l'esprit, il n'y aura pas de condamnation. Mais si nous marchons selon la chair, il y aura de condamnation. Pourquoi la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit? Et l'esprit en a contraire aussi de la chair. Ils ne peuvent jamais s'entendre. Amen. Amen. Examine-toi. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à abandonner? Qu'est-ce qui est attaché sur la chair? Comme tu es. Il ne faut pas avoir honte. Dieu ne va pas descendre. Alléluia. Amen. Dieu utilise les hommes. Fais attention sur toi avec la bouche.
ça là. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui en veut en mangera le fruit. Voilà. Maintenant, debout.